made me feel alive. You made me feel alive. Now I can't believe you're gone. I can't believe you're gone. There's chaos in my mind, and nothing seems quite right. I can't believe you're gone. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter un nouvel easter egg sur le zombie de Black Ops 3. Alors sans plus attendre, c'est parti. Vous vous demandez alors en quoi consiste ce nouveau petit secret? Eh bien tout simplement, on va s'intéresser d'un peu plus près à ce journal et vous allez voir qu'il n'est pas du tout banal et qu'il va même nous raconter une petite histoire. Tout d'abord, vous devrez posséder le déboucheur et pour cela, rendez-vous au clocher pour y déposer vos Ragnarok derrière l'horloge. Puis à l'aide de la touche d'action carré, démarrez le système et vous devrez stopper les aiguilles en appuyant une nouvelle fois sur carré lorsque celles-ci seront sur 9h35. Une fois cela fait, rendez-vous dans les souterrains et à l'aide de la gravité, téléportez-vous dans le passé. Récupérez le déboucheur qui se trouve sur cette table. Si vous n'avez pas très bien compris comment posséder le déboucheur, eh bien je vous mettrai dans la description un tutoriel plus détaillé que j'ai réalisé sur ma chaîne. Nous pouvons retrouver deux journaux qui vont nous intéresser sur la map d'Air Eisenrare. Le premier se trouve sur cette table dans la salle des machines, sur lequel nous pouvons lire qu'il y a un énorme défilé à Londres, certainement le jour d'une fête ou d'une mobilisation. Quant au second, vous devrez vous rendre dans la salle du projecteur juste à côté de la chambre et vous allez voir que le journal y est quelque peu différent. Alors en quoi consiste cet easter egg? Eh bien tout simplement, vous devrez améliorer le déboucheur, puis tuer des zombies à l'aide du déboucheur amélioré devant le journal de la salle des machines, et vous allez voir que celui-ci est interactif, qu'il va se modifier, et qu'il va nous apprendre quelque chose d'intéressant. Pour améliorer votre déboucheur, vous devrez tuer un Panzer, et à partir de ce moment-là, il sera enflammé pour une durée limitée d'une minute. Rendez-vous donc dans la salle des machines et tuez des zombies à l'aide du déboucheur devant la table jusqu'à ce que vous voyez une petite orbe bleue qui indiquera que le journal est modifié. Je tiens à préciser que cet easter egg est réalisable aussi bien en solo qu'en coopération. Vous allez voir que le journal a bien été modifié et que maintenant nous pouvons voir qu'une copie du journal de la salle du projecteur est apparue. Sur celui-ci, nous pouvons lire qu'un rapport ferait état d'une attaque de zombies dans Londres, mais que ce ne serait pas officiellement confirmé. Il semblerait donc que l'on puisse bouleverser les événements et que dans ce cas, une catastrophe soit arrivée à la capitale anglaise. Mais ce n'est pas tout car nous allons pouvoir répéter encore une fois cette manipulation, alors de nouveau passez les manches jusqu'à ce que vous ayez un Panzer, améliorez encore une fois votre déboucheur et rendez-vous une fois de plus dans la salle des machines. Tuez-y un nombre conséquent de zombies à l'aide du déboucheur amélioré, du déboucheur enflammé et vous verrez que le journal va de nouveau être modifié. Cette fois-ci, le titre de l'article est « Attaque de zombies dans le cœur de Londres ». Et juste en dessous, on peut remarquer une image avec un groupe de zombies. Et juste sur la droite, on peut voir un petit article qui est titré par « Le Parlement se réunit pour une réunion d'urgence ». Il semblerait donc qu'en récupérant le déboucheur dans le passé et en tuant des zombies avec celui-ci, nous ayons accidentellement téléporté les zombies de Der Eisenrare dans Londres. Vous savez très certainement que Triarch ne fait jamais rien au hasard et si cet easter egg est là, d'après moi, c'est pour la raison suivante. J'ai vu certaines personnes qui pensaient que cela pouvait pourquoi pas introduire l'arrivée d'une future map d'un DLC, une map qui se déroulerait à Londres. Cela me semble très peu probable, car pour moi, Triarch nous délivre à travers cet easter egg une information intéressante du point de vue de l'histoire du zombie. En effet, c'est une manière très fine de nous montrer que nos actions du présent peuvent affecter le temps et en l'occurrence ici modifier le passé. Cela souligne que nous pouvons changer les événements qui se sont déroulés dans le passé. Dans le cas présent, nous venons de causer une attaque de zombies dans Londres, mais je vous propose de voir ça avec plus de recul. Si les personnages que nous incarnons sont capables de modifier les événements du passé, eh bien cela signifie qu'ils pourraient éviter la destruction de la Terre, mais je ne vais pas plus rentrer dans les détails car ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Voilà sur ce les gars, eh bien on arrive à la fin de ce petit tuto sur cet easter egg. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ainsi qu'une petite réaction, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. C'était Fierce, on se retrouve très prochainement, et ciao tout le monde.